Bonjour tout le monde. Glitch, duplication d'appartement. Et en même temps, vous aurez l'argent frisé en mode online. Donc vous pourrez acheter un peu tous les véhicules. Pas tous, mais la plupart. Donc je vous explique. Vous allez mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, les gars. Et je vais vous expliquer le glitch. Il est très très facile. Vous avez zéro fail de possible. Donc vous allez en histoire. Mode réalisateur. Vous allez aller à la caravane. Vraiment très facile les gars, vous pourrez acheter des véhicules, les customiser gratuits et en même temps faire 3 appartements à 500 000, donc c'est ceux à 1 100 000 fois 3 en fait. L'appartement 4, 5, 6, vous pourrez faire que cela. Donc là, une fois que vous êtes à la caravane, vous allez dans acteur et vous allez récupérer votre joueur en ligne, donc c'est personnage en ligne. Voilà, vous faites rond, rond et vous allez lancer le mode réalisateur. Vraiment très facile, aucun timing, il y a juste à se faire plaisir, à ramasser de l'argent. Donc vous pourrez acheter un mock si vous n'avez pas le camion, vous pouvez acheter des oppressors, vous pouvez acheter des voitures là, les dernières. Donc là j'ouvre dans paramètres et je vais dans éditeur de décor. Une fois dans l'éditeur de décor, vous allez cliquer le premier catégorie, vous faites 3 ou 4 fois flèche de gauche et vous aurez cet élément. Une fois cet élément, vous appuyez sur X, option, et vous allez dans éditeur Rockstar. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur lui, vous faites PS. Vous allez dans profil. Profil, vous allez faire activité récente et là vous allez choisir exemple que vous avez acheté un véhicule. Allez les gars, mettez un gros pouce, vous allez faire masse d'argent. Et c'est pas la première fois sur la chaîne que vous faites autant d'argent. Donc profitez-en là toute la soirée, il est là pour vous. J'espère que demain il va tenir encore. Donc là, une fois que vous êtes dans cette activité, vous faites PS, vous revenez dans le jeu. Ça veut dire que vous faites deux fois PS et vous allez arriver sur ça. Et là, vous allez cliquer sur mode réalisateur. Là, vous allez accepter ce message et vous allez faire deux fois PS. Et vous devez atterrir ici et vous faites lancer GTA Online. Et là, vous refusez ce message. Donc là, je suis bugué. OK. Maintenant, c'est là qu'il va falloir avoir un petit timing. Donc vous allez faire en ligne, jouer à GTA Online. Session sur invitation, et là dès que je vais valider, je vais faire PS et je vais vite aller couper internet. D'accord? Vous allez dans paramètres, réseau, et vous décochez online. Vous faites PS, X, et là vous allez attendre le message. Dès que vous avez le message, là vous foncez PS, vous allez remettre vite fait le réseau, vous revenez PS, X, et vous validez ce message. Il va vous falloir valider ce grand message, pas le petit. Parce que ce petit message, ce grand message, il va pas rester longtemps. Donc c'est là qu'il faudra être un peu rapide, mais sans plus. Donc là, vous voyez le glitch, il est facile, il est presque fini quoi. Là, vous allez voir, il va faire accès GTA Online. Et on va arriver à Online Freeze. Donc on aura juste à nous défriser, c'est bon, on sera prêt pour faire le glitch. Donc si vous buguez là à ce niveau-là, que ça fait un chargement infini, vous recommencez, c'est qu'en ligne, vous n'êtes pas allé assez vite pour remettre, pour cocher la case. Et vous n'avez pas accepté le bon message. Ok. Bon, là on arrive ici. Maintenant on arrive aux choses sérieuses. Le glitch il est fait, on est freeze, l'argent est freeze. On n'a plus qu'à s'amuser. Donc vous pouvez acheter des avions, aller au hangar, acheter des avions, les custom, les revendre. Vous aurez une limite de vente, d'accord? Donc n'abusez pas, vendez les trucs les plus chers. Là, vous voyez, je suis frisé. Donc là, je vais lancer une activité créée par Rockstar. Mission. Vous lancez Titan ou peu importe celle que vous voulez de mission. Une fois que vous êtes dedans. Vous faites rond et vous quittez. Et là, on est prêt.
Donc je crois que vous pouvez acheter le camion mock. Vous allez pouvoir sauvegarder des oppressors. Vous allez pouvoir sauvegarder les dernières véhicules super sportives. Vous allez pouvoir dupliquer aussi des élégies. Donc là, dès que vous sortez votre téléphone, vous faites flèche de droite X. Et là, vous allez tomber sur Internet. Vous ne le verrez pas, mais vous avez juste à faire flèche de droite X. Et là, je vais aller acheter les appartements les plus chers. Donc d'abord un premier dans l'emplacement 4 à 1 100 000. Et il faudra changer de session à chaque fois pour acheter à 1 100 000. Donc là, je vais enchaîner. Je vais acheter aussi un véhicule. Donc moi, franchement, pour pas perdre mes véhicules, parce que des fois ils disparaissent, je les fais un par un. D'accord? Vous en faites un, vous le customisez à fond. Vous faites pareil que moi, vous allez le déplacer et tout. Donc là, vous voyez le téléphone, flèche de droite X. Là, j'ai juste allé dans les gendarmeries. Mettez tri par prix, vous achetez un peu ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vous conseille pas d'en acheter trop, parce qu'elles vont disparaître. Il va falloir toutes les sortir et les changer de garage. Vous faites des tests, vous arrivez à en faire 3, vous en faites 3. Mais après, déplacez-les. Allez, j'ai acheté ça, maintenant je vais changer de session. Donc, je vais faire flèche du bas. Et en bas, vous verrez, il y a la caravane. Donc, vous allez aller à la caravane. Et ça va pas vous envoyer à la caravane, ça va vous faire juste changer de session. Et une fois que j'aurai changé de session, je vais encore acheter un appart à 1 100 000. Et je vais finir de customiser ce véhicule que je viens d'acheter. Les gars, je compte sur vous. Je vous ai fait une vidéo propre. Montrez-la à tout le monde. On a besoin de soutien. Voilà. Donc plus on est, plus ça motive. Et je pense que celui-là, il va falloir que tout le monde en profite. Donc n'hésitez pas à le montrer à tout le monde. C'est vraiment faisable pour n'importe qui. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un glitcher pour faire ça. Hein. Allez, on va atterrir dans une autre session. Donc faire attention de ne pas vous faire tuer. Parce que ça risque de vous faire rater le sauvegarde. Donc dès que vous avez apparu, hop, vous rachetez un autre appartement à 1 100 000. Donc vous sortez le téléphone, flèche de droite X. Vous allez dans Dynasty 8. Et vous prenez un appartement encore à 1 100 000. Vous voyez, ils réapparaissent. Vu qu'on n'a encore pas acheté. C'est juste l'argent qui frise en fait. Donc vous l'achetez sans le consommer. Hein. Il va vous falloir quand même que vous ayez votre compte qui est la somme d'argent de ce que vous voulez acheter. Sinon ça ne marchera pas. Donc si vous voulez acheter des voitures à 2 500 000, il va falloir 2 500 000 dans le compte. Donc soyez pas trop gourmand, faites un peu des apparts, montez votre cagnotte. Et franchement, normalement, ça va aller vite. Hein. Là, je vais aller voir le véhicule, je vais aller le custom. Donc, pareil, customisation gratuite. Pouvez acheter les APC, vous pouvez acheter un peu tout. Hein. Faites-les une par une, deux par deux. Faites pareil que moi, vous les utilisez dehors. Il faudra les sortir. Et en même temps, les changer dans le ga de garage au dernier moment, quand vous aurez l'argent qui s'est plus frise. Donc après, je vais vous montrer comment sauvegarder tout ça. Il y a une petite manip à faire avec un hélicoptère. Et c'est bon. Donc là, vous voyez, je suis pas au max. Moi, j'ai qu'un level 20 là, sur ce compte. Alors, mettez les pièces les plus chères. Donc, le klaxon, ça sert à rien. Vous pouvez le mettre si vous voulez garder le véhicule. Mais après, quand je serai défrisé, que je vendrai mes appartements, j'ai possibilité de revendre les véhicules aussi. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Mais vous aurez une limite de vente. Même si vous vendez les avions, vous savez que le Bombardier vaut 2 500 000 custom. Donc moi je vous conseille d'aller vendre des avions. Vous achetez 4-5 Bombardiers, vous les customisez et voilà. Donc moi j'ai fait des vidéos ce matin sur ça. Donc j'ai acheté des Bombardiers et j'ai customisé, je les ai vendus.
Mais après, au bout d'un moment, j'ai une limite de vente qui correspond à la même limite que les véhicules. Voilà. Donc allez-y mollo, faites-vous plaisir les gars. Faites penser à faire les appartements, c'est de l'argent cash. Voilà, sortez avec le véhicule, qui devient votre véhicule personnel. C'est toujours bien pour le sauvegarder. Après, vous aurez d'autres techniques. Moi, je suis pas un expert. Je n'ai pas tellement utilisé là encore le mode réalisateur. Et moi, c'est ma technique pour pas les perdre. Donc, je sors avec, je fais flèche du bas, caravane, et on va encore changer de session pour acheter le troisième appartement à 1 million. Donc après, vous pouvez acheter ceux à 900 000, tout ça d'un coup, hein. Vous n'êtes pas obligé de changer de session pour avoir celui à 1 million. Voilà, ça vous fait quand même 200 000 de plus. Donc c'est un peu plus de... Vous devez faire 1 million 6 avec les 3 appartements au lieu d'1 million 300 000. Voilà, ça fait un petit 300 000 en plus. Et voilà, à vous de voir si vous voulez speeder ou pas. Sinon, vous faites comme avant, vous achetez les 3 plus chers. Et peut-être que vous gagnerez du temps. Parce qu'il est vraiment très facile. Allez, de retour en online, on va acheter le dernier appart à 1 100 000. Et moi, je préfère prendre le véhicule que je viens de faire là, de rouler avec. Vous voyez, comme ça, il est pris en compte vraiment que c'est mon véhicule personnel. C'est pas le premier que je fais. J'ai fait des oppressors, j'ai fait la voiture de sport là, j'ai fait quelques élégies custom rétro. J'ai entendu qu'on pouvait faire le mock. Donc après, mettez dans les messages un peu ce que vous avez réussi à sauvegarder. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'arrivera pas. Véhicules spéciaux, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi l'Hydra. Donc j'ai réussi à sauvegarder un tank, un cargo bob, les camions. Donc le Dune et l'autre camion blindé là. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose en véhicules spéciaux. Les habits, on peut pas les acheter, ils sont tous validés en fait. Dès qu'on est plus connecté, ben ils sont plus là. Voilà, à vous de faire des tests, les gars. Dites dans les commentaires un peu ce que vous avez trouvé comme, comme trouvaille, quoi. Allez, là, je prends mon véhicule que je viens de créer. Et on va aller à l'aéroport, l'héliport. On va aller chercher un hélicoptère de PNJ. Et là, on va s'occuper pour aller sauvegarder tout ça. Donc les appartements, ils se sauvegardent automatiques, hein, les gars. Vous prenez même pas la tête, vous fermez le jeu et vous recommencez L1 R1. Là, c'est vraiment parce que je veux sauvegarder le véhicule, donc que ce soit des avions, une voiture ou quoi. Il vous faut faire cette manip pour le sauvegarder. Sinon, vous allez tout perdre.
Déjà que vous pouvez le perdre même si vous faites ça. Alors là. Donc vous pouvez vous mettre en passif, il n'y a pas de problème. Vous venez ici, vous prenez un hélicoptère. Et on va mettre un point vers le niveau du braquage, vous savez, entre le coiffeur et le braquage. Je vais vous montrer après sur la map. On va se retrouver là et on va monter en l'air jusqu'à temps qu'on ait l'écran noir. Vous voyez là, j'en ai un peu de chance, j'ai le gado. Donc vous verrez tous les menus. Donc voilà, je vais vous montrer la map. Donc vous voyez cette cunette là. À côté là, vous avez le coiffeur. Et là, vous vous mettrez là, au niveau de cette rue là. Pour aller jusqu'ici et monter en l'air très haut. Jusqu'à temps que vous ayez l'écran noir. Donc une fois l'écran noir, vous allez faire PS. Vous allez dans profil, activité récente, comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous refusez le message. Si vous tombez sur l'écran noir, eh bien vous allez faire lecteur multimédia. D'accord? Vous lancez le lecteur multimédia et après vous revenez dans le jeu, ce qui va vous faire débugger, parce que vous allez être bugué là dans 5 minutes. Il y en a qui, des fois je suis pas bugué, des fois je suis bugué, ça dépend. Donc il y a deux manips à faire. Le top c'est d'arriver sur l'autoroute pendant que vous refusez le message. Donc ne faites pas deux fois PS, ça marchera pas. Faut aller doucement, donc il faut faire une fois PS et aller manuellement à ce menu. Donc vous voyez là, je suis sur le point et je monte en altitude. Et à un moment, je vais avoir l'écran noir. Là, écran noir. Je fais PS. Je vais dans mon profil. Faites-le manuellement comme moi. Sinon, vous aurez l'écran noir obligé. Là, je vais aller à activité récente et je vais choisir, comme tout à l'heure, acheter un véhicule. Là, vous lancez GTA Online et vous allez refuser le message là. Et vous voyez là, je suis dans l'écran noir. Donc je dois faire PS et je vais lancer le lecteur multimédia. Au moins vous aurez vu les deux solutions. Et vraiment, regardez, je l'ai quand une fois. Zéro fail. Vous allez pas rater si vous suivez les étapes. Une fois, deux fois, vous regardez bien la vidéo. Ensuite, vous aurez plus besoin de vidéo et vous raterez jamais. Donc là, je lance lecteur multimédia. Vous l'avez dans la bibliothèque. Si vous l'avez pas téléchargé, allez dans la bibliothèque, là, au fond de cette ligne. Vous avez une bibliothèque et vous pouvez le télécharger rapidement, en 2 minutes. Donc là, une fois que vous avez lancé Media, hop, vous refaites PS, vous revenez dans le jeu et vous voyez, ça vous a débugué. Vous acceptez le message. Et on est débugué et on va réatterrir online avec l'argent qui est plus freeze. Donc c'est maintenant qu'on va pouvoir vendre les apparts, les véhicules, ce qu'on veut. Avant de tout quitter et de réinitialiser le jeu avec un recalibrage. Vous voyez, toutes ces manips sont pas difficiles, il n'y a aucun timing, les gars. Là, vous allez me dire combien vous avez fait d'argent. Et ça fait grave plaisir. Quand je vois, ah, je me suis fait 100 millions, ah, je me suis fait 300 millions. Ah, c'est ça qu'on aime entendre, les potos. Voilà, après, faites gaffe à votre limite de vente. N'abusez pas. Allez-y doucement, doucement. Vous sauvegardez, bim, vous recommencez. Moi, je vous dis, si vous achetez tout le jeu d'un coup, ça marchera pas. On croit que ça marche, mais au final, elle s'efface. Des fois, au bout de deux fois, elle va s'effacer. En fait, bien comme j'ai fait, vous le sortez, le véhicule, vous l'utilisez, vous le changez de garage, et vous verrez que vous les garderez. Voilà. Donc là, je vais revendre. Avec des appartements de 2 places, vous perdez pas vos véhicules, hein, et des entrepôts, vous inquiétez pas.
Les gars, un pouce bleu, vous savez que ça fait plaisir. Un petit commentaire, vous allez me dire combien vous avez gagné avec ce glitch. Moi, je kiffe en voir ça. Je suis là pour ça. Donc celui-là, il est vraiment énorme. Hein. On l'a attendu, il est là. Ah, je vous l'avais promis. Et vous voyez le véhicule, il est là. Ça, c'est un véhicule gratuit, custom, et je crois qu'il vaut 2 millions. Mais ne customisez pas trop ça pour faire de l'argent de masse. Hein. Parce que au bout d'un moment, vous pourrez pas les revendre. On ne vend qu'une l'original. Là, vous la changez de garage. D'accord? Comme ça, elle est bien validée. Vous risquez pas de le perdre. Pensez à faire ça. Vous changez de garage. Et là, vous n'avez plus qu'à fermer l'application. Et je vais vous montrer la dernière manip à faire quand vous avez fini votre petit business. Vous fermez l'application. Il va falloir recalibrer. Voilà. Une fois que vous avez recalibré, vous allez en online. Et vous retournez en histoire et vous recommencez votre manip du début. Donc là, je ferme tout. Vous relancez le jeu. Et pour tous ceux qui ont Rockstar, que vous n'arrivez pas là en ligne, vous faites cette manip. Après la femme, là, vous allez spammer L1 R1. Là, maintenant, dès qu'il y a l'écran noir, au tout début. L1 R1, L1 R1. Jusqu'à l'autre cinématique où il y a les chargements. Donc là, vous continuez, vous appuyez L1 R1, L1 R1. Et là, il reste appuyé, ça fonctionne. Mais sinon, spammez. Appuyez plein de fois dessus jusqu'à là. D'accord? Là, c'est bon, vous pouvez lâcher. Vous allez avoir un carré de recalibrage. Donc là, vous avez le glitch au complet, les gars. Vous pouvez pas vous manquer. Là, vous mettez votre recalibrage à fond, la couleur, luminosité. Ça va vous emmener en histoire obligatoire. Et d'histoire, vous allez en ligne, vous allez signer une charte et vous êtes opérationnel là. Tout est validé. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Grosse bise à Sam Gaming. Grosse bise à José. Zone 78, les poteaux qui soutiennent, ils sont là. Ça représente fort. Hein. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous ferai un petit live demain matin pour prendre des nouvelles. En tout cas, je sens que ça va jouer toute la nuit là. Et vous avez intérêt parce que là, il y a de quoi faire de l'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent, les gars, vous achetez ce que vous pouvez dans l'emplacement 4, 5, 6. Et vous faites la manip 3, 4, 5 fois. Et à la fin, vous aurez l'argent. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ceux à 1 million. On s'en fout. Vous achetez ce que vous pouvez. Et vous allez gagner la différence entre un appart à le plus cher et les garages à deux places. Voilà. Donc tout cet argent, il sera comptabilisé en vous. Papa, papa. Mais avec ça, vous allez faire un roulement. Jusqu'au moment où vous allez acheter 3 garages à 1 million. Parce que vous avez au moins 1 million en banque. Il va pas utiliser votre argent. Mais il faut avoir au moins la somme pour pouvoir le débiter. Sauf qu'elle ne sera pas débitée. Pour les voitures, pareil. Si vous avez une voiture à 2,5 millions, ben, il vous faudra la somme dans le compte en banque. Donc si vous avez 10 millions, après, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jeu. Vous voyez là, j'ai signé la charte. Je retourne en mode online. Et ok. Donc là, je suis reparti à zéro. Vous allez voir, j'ai toujours mon véhicule, mon argent. J'ai plus qu'à recommencer. Donc, tous les petits joueurs qui n'ont pas d'argent, vous n'avez plus d'excuses. Sur Xbox, désolé, est-ce que quelqu'un a une manipulation pour éviter cette activité récente? Est-ce que rejoindre un ami ou quoi, ça fonctionnerait avec une visée différente? Faites des tests, les gars, sur Xbox. Et si vous pouvez nous écrire, voilà. On aimerait avoir des renseignements. On a pas mal de joueurs Xbox. Et c'est le moment de s'entraider, les gars. Moi, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire sur Xbox. Donc, si vous faites une visée différente d'un autre ami, vous aurez le message.
Vous acceptez le premier, vous refusez le deuxième. Comme d'habitude, les gars. Vous savez comment ça se passe sur Xbox. C'est pas un petit message comme ça qui va nous bloquer. Voilà, ouais, j'ai encore mon véhicule, il est là, les gars. On est là. Team ADH, les potos. Venez dans le crew. Vous avez le crew en description. Et voilà. Abonnez-vous, les potos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.